Bonjour, moi c'est Yann Courdon. J'ai 28 ans et j'arrive de Souma Training Center à Bayonne. Voilà, c'est mon deuxième combat dans l'organisation ici. Donc on remercie Hatch bien évidemment pour nous mettre en avant sur les cartes comme ça. C'est cool, ça nous fait de l'expérience. C'est le tournoi ce soir. Voilà, donc premier combat à 20h10. Et si ça passe, on continue pour le deuxième combat dans la soirée vers 22h. Et si ça passe, on reviendra ensuite au mois de mai. Sur ce combat-là, il y a eu un guerrier, il y a eu un gars qui a gagné. J'ai tout donné. Si on regarde bien, c'est moi qui ai resté debout, c'est moi qui a donné le plus de coups, c'est moi qui a fait le plus d'initiatives. La seule fois où je suis allé au sol, à part une fois, c'est moi qui me suis mis au sol tout seul, entre guillemets. Sinon, c'est la mentale, c'est moi qui allais chercher ce combat. Avec la guerre, la mentale à ma mère, à mes deux coachs, coach de préparation physique et les frérots qui sont venus. On est venu de Bayonne, ça fait loin. Merci en tout cas et voilà. Voilà, en peur. En peur. Donne pas ton dos. Bien, allez. Continue, les points, allez, prends ça, les points, super, allez, coach, j'ai bien entendu les consignes, j'ai respecté et ça a marché. Parfait. Merci, ça fait plaisir. La suite, c'est encore, premier round encore. Hein. Dédicace à KFBC, GGLL, Thomas Rivière, merci beaucoup, c'est grâce à vous. Je m'appelle Goran Mehmet, je viens du Fight le 26 à Romans-sur-Isère, dans le 2600 dans la Drôme. Ça va, j'ai déjà fait à peu près 6 ou 7 combats en MMA. Ce soir, on va essayer on va se qualifier pour la demi-finale, ensuite la finale, pour gagner le contrat de Hatch. Moi, j'ai commencé depuis petit les sports de combat. J'ai fait du judo, après j'ai commencé la lutte. Et là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi que je fais du MMA et je suis là pour kiffer. Hein. Je suis là pour montrer ce que je sais faire. Voilà. Dans le tournoi du fer, très ouais, bien aussi. Dans le fer, pour le tournoi à 1000 euros. Le tournoi avec le chèque à la fin. Un peu 1000 euros, c'est fini, c'était avant. Quoi? C'était avant, c'est annulé. Mais non. Je dis que c'est annulé parce que c'est lui qui va les prendre les 1000 euros. Regardez-le. Comment il n'y a plus 1000 euros?
Ah ouais, les gens, ils sont réveillés, ils se sont réveillés. Ça bien Mousseline, merci, je décolle. Voilà. Bien Mousseline, voilà. Il s'est mis en gaucher, il voilà. Voilà, encore, laisse-moi faire ça. Bien Mousseline. Dès qu'il change d'appui, envoie les points déjà, d'accord. Attends pas, tiens-le à distance, fais les jeux de temps en temps. Bon, t'as vu dès qu'il se met en gaucher, ouais. Ça marche. Quand tu me fais tomber, il mange tout de suite, lourd sur lui. Allez, dès que tu le fais tomber. C'est magnifique, ça nous a fait monter tellement. Franchement, je suis pas fier de moi, mais c'est l'expérience. Je vais prendre de l'expérience, c'est la première fois. La deuxième fois, je fais un combat dans un show comme ça, c'est pas pareil. Mais je vais revenir plus fort, vous allez voir. Mais il était bon. Il était très fort, je connais, il était très fort. C'était pour moi, c'était mes favoris du tournoi. Mais la vérité, je suis beaucoup meilleur que ça. J'ai pas encore, ça manque d'expérience, mais ça va venir, Richard, ça va venir. C'est ça. Merci, ouais, c'est vraiment mes coachs. J'aurais préféré finir un peu avant, mais maintenant c'est la victoire, maintenant place au demi. Mon dernier combat, c'était le 1er juillet pour la Supreme League. J'ai affronté Mathis Duragrin. C'était un gros combat avec beaucoup d'intensité. J'étais dans le rouge, il était dans le rouge et c'est le MMA, c'est comme ça. Défaite à la décision partagée, mais fier de mon combat. Comme dans la vie de tous les jours, je suis un petit peu au-dessus de 70 kg, je suis descendu en 66. C'était facile, c'était simple. Et non, je me suis bien préparé, je m'entraîne un petit peu plus maintenant. Je suis plus sérieux, plus rigoureux. Donc je pense que ça va le faire. Ça fait du bien, on poursuit. On va aller chercher la ceinture. Je vais la ramener à la hâte, celle-là. Je vous le dis.